Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la promotion de l'épisode de Starbound V4 Please the Giraffe. Donc chers amis, toujours dans l'optique de la déco, nous avons fait une chambre qui est plus ou moins potable, je l'apprécie un peu quand même, je dois l'avouer. Cependant il nous manque quelque chose en fait là, je trouve. Il nous manque quelque chose. Je sais exactement quoi. Je crois que ça s'appelle read normalement. Read. C'est pas la read, chers amis. Mince. Je sais exactement ce qui me manque. Encore faut-il que je le trouve. Si je mets light, je vais pas tomber non plus dessus. Je pense pas. Est-ce qu'on va tomber dessus? Non, je suis pas tombé dessus. Alors. Hop, si je peux me mettre en normal, par contre, ça serait cool. Light. Il faut que je la trouve. Je devrais la trouver assez rapidement, normalement. Et je pense pas qu'elle soit trop grosse, normalement, non plus. Voilà, c'était ça. Et normalement, je devrais être en mesure de la placer ici. Non? C'est pas dans ce sens-là que j'aurais préféré la mettre, je l'avoue. Mais bon, je peux faire que ça. Ça remplit un petit peu, mais pas comme je l'aurais souhaité. Bon, c'est pas mal. Alors, ok, c'est pas grave. Juste pour voir. Non, c'est moche. C'est complètement moche. Bon, tant pis. Tant pis, je regarde plus. Donc, on a dit une salle de vie. Donc, une salle de vie, c'est pas dur. Wood, déjà. Wooden toilets. Parce que voilà, il en faut. Il en faut, chers amis. Il en faut. Alors, je vais remettre une porte, du coup. Mais d'abord, je vais mettre... 4. Voilà. Et normalement, je vais en mettre même une deuxième rangée. 1, 2 et 3. En espérant que ça passe, ça passera pas. Dommage. Alors, on y va comme ça. Ça passe pas non plus. Alors, on va faire un test. Les chiottes. Maman, mes chiottes. Ça passe. Et il se coince. Ah ah. Bon, bah, on va laisser ça comme ça. C'est pas grave. Hop, pour aller avec les chiottes, qu'est-ce qu'on peut mettre, un sink, normalement ça devrait pouvoir se trouver, bathroom sink, celui-là est moche, celui-là est pas trop mal, mais je vais prendre plutôt celui-là. Du coup, on va trouver des toilettes un peu mieux que ça. Alors, on a le choix entre plusieurs toilettes. Les old toilets, display light, on comprend pas. Primitive toilets, iron toilets, glitch toilets. On partirait bien sur les glitch. Les dirty, mais elles sont vraiment dégueulasses. Royal toilets, hop. On va partir sur celle-là. Hop, est-ce que ça passe? Est-ce que je peux m'asseoir dessus? C'est parfait. Hop, maintenant, j'aurai besoin d'un lavabo. Pas trop loin. Pas trop près non plus. Voilà. Je vais mettre une porte ici. Un rondin de chaque côté. C'est très logique, hein, mais... la porte s'ouvre quand même. ouais, je sais pas si je dois le mettre. J'en ai pas mis là. Je vais pas les mettre. Ah mince. J'ai pas cassé ce que je voulais. Alors, où sont-ils? Là. Ok. Si, il faut qu'on mette un truc. C'est...
C'est. Je crois que ça s'appelle Vent. Et on va mettre. Soit celle-là a l'air différente. Je vais la prendre. Celle-là aussi. Hop. Et celle-là aussi. J'ai envie de voir quelles sont les différences entre ces trois objets différents. En plus, ils sont mis bien comme il faut, c'est parfait. Il y a celle-là qui fait genre vrai. Celle-là qui fait genre primitive. Celle-là qui fait genre rouillé. D'accord. Je sais exactement où est-ce que je vais la mettre. Sésame, ouvre-toi. Hop. Voilà. Bon, ça tape dans la porte, ça rend moche. Ça rend moche, ça rend moche, ça rend moche. Blah. Hop, si je peux, par exemple, mettre l'évier. Ici. Ici, c'est pas grave. Et mettre la vente ici. Ensuite, je prends la porte, je la mets là. Ça passe, ça passe. Manque de luminosité, mais ce n'est pas grave. On peut arranger ça encore en mettant... En mettant, je pense... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme lumière? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme lumière? Non, c'est naze. Manque de luminosité toujours. Ok. On va aller chercher des lumières un peu mieux que ça. Let me 3D print. Hop. Je sais exactement ce que je vais mettre comme lumière. Est-ce que je vais le trouver? Voilà. Flickering light bulb. Et normalement, il devrait bouger ce truc-là. Ça devrait être parfait. Il va falloir que je fasse un trou dans le plafond, mais c'est pas grave. Pour des chiottes, je trouve que ça correspond vachement bien. Ah, ça va peut-être un petit peu trop bas. On verra bien. Hop, je fais un trou ici. Non, c'est bon. Ça rend moche. Ça rend très très moche. Je l'admets. J'ai du mal à l'admettre, mais je l'admets. Faudra donc un truc que j'ai une applique. Entre guillemets, une applique murale que je puisse mettre au mur directement. C'est pas top. J'aimerais pouvoir passer quand même, merci. Crac. Qu'est-ce que je pourrais mettre, Vine Lights? Non, surtout pas. J'aimerais éviter les lumières vertes aussi. Et il fait de la lumière, c'est marrant. Intéressant. Bah là voilà la lampe que je cherchais. Mais c'est pas celle-là que je veux mettre là, en l'occurrence. J'ai pas du tout d'applique. D'applique murale. Je peux mettre ça, mais bon, c'est pas... Si, ça c'est cool. Ça c'est carrément cool. Donc, c'est ça que je cherchais à la base. Hop, les, parfait. Hop. Tout ça pour des chiottes. Alors, où elle est ma petite lumière normale? Hop, la voilà. Oh, puis elle passe comme ça. Ah, génial. Ah bah, elle rend parfaitement bien. C'est ce que je voulais. Ensuite. Alors, douche, en plus, je mets ces showers. Hop. Ah putain. Non. Non.
Comment je vais faire? Si je prends ça, est-ce que ça dépasse aussi? Ah, c'est encore pire. Bon. Hop. Ok. Voilà. Je les trouve plus, non. Je les vois plus. Alors, je vais essayer de faire les choses bien. Voilà. On va faire que deux douches, c'est pas grave. J'en avais fait, je voulais en faire plus, mais on va faire que deux. Et il faut que je les trouve là. Putain, je l'ai vu. Je les ai vus. Voilà, parce qu'il faut bien s'accrocher quand on prend sa douche, chers amis. C'était le conseil de Marcus. Et surtout, quand on prend une douche, il nous faut aussi... normalement... Je sais plus comment ça s'appelle, par contre, ça le problème. Là, ça va être un gros problème. C'est pas vent, et je vais pas le trouver aussi facilement... Je vais pas le trouver aussi facilement. Donc pour la chose, pour le coup, pour le fait de le faire. Ouh, dis donc, il y a plein de trucs que j'avais pas vu encore dans ce endroit-là. Créature Capture Station, non. Skyrail, c'est pas celui-là. Alors, peut-être ici. Creature Capture Station. Skyrail, non. C'est pas Skyrail qu'il me faudrait, c'est l'autre. Moi, c'est les... mince, comment ça s'appelle? Wiring. Donc, je vais essayer de trouver comme ça. Ça commence mal. Je suis dans la merde. Voilà, j'ai trouvé. Ouh. Ah oui, par contre, du coup, faut que je récupère ça et que... C'est allé où, ça? Là, d'accord, ok. Parfait. Hop, si je vais ici, qu'est-ce qu'il m'offre? Plein de caca. Ok. Encore faut-il que je trouve ce qui m'intéresse dans cet immense bordel. Je me rappelle plus le nom, c'est casse-couille. Vous savez quoi, je vais sortir du mode admin, slash admin. Hop, voilà. Je vais aller chercher le nom. Drain, tout simplement. Hop, maintenant je fais drain. J'en prends une chier. C'est pas grave, de toute façon j'en aurai besoin, vous verrez. Hop, pour être sûr que ça s'écoule bien. Voilà. Et maintenant il nous faut encore une fois des sinks, chers amis.
J'ai pas rien d'avoir quoi que ce soit. Ah si, c'est bon. Sync. Non, j'ai plus le droit. Sync. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Les shots, je les vire. Hop, je place les deux sync qui sont tout petits d'ailleurs. Et normalement, je dois avoir des mirror blocks. Voilà, quelque part. Et on va les mettre. Voilà. Alors, niveau luminosité, normalement, ça claque pas trop mal. C'est un peu faible, à vrai dire. Normalement, on a... Ça existe. Water. Est-ce que je vais les trouver? Waterproof light, voilà. Parfait. Oh, c'est gigantesque, par contre. Je m'attendais à beaucoup plus petit. Donc, non. Et je sais exactement ce que je vais prendre là-bas. En espérant qu'elle soit plus petite. Ah, déjà, il me faudra ça. Ça, je vire. Et voilà, electric light. Et donc du coup, s'il y a deux lavabos, ça va être compliqué. Si, bah si, je sais exactement où je vais le mettre. Hop. Voilà. Ça, c'est pas trop trop mal. Et donc là, il y aura le médecin. Pouah. Alors le médecin, ça va être catastrophique. Le médecin, je sais pas du tout comment je vais faire. Juste, il faudra que je vérifie plusieurs choses. Alors, si je fais ça, que je prends le dripping. Ouais, non, ça va pas le faire. Je sais pas du tout comment faire. Je n'ai que très très peu d'idées sur ce sujet-là. Vous êtes en train de me dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il essaye? Je suis dessus et dans le lit, je suis dedans ou dessus? Je suis dedans. Ok, mais ça va pas avec le style que je veux. Hop. Ça je vire aussi. Le cactus aussi, pourquoi pas. Ça aussi, ça aussi, ça je garde. Les cheap lights, au pire j'en prendrai d'autres. C'est compliqué. Pourrait être intéressant ça. Il y avait pas genre gothique. Qu'est-ce qu'il y avait en gothique normalement? Gothique chair, non, donc non, ça va pas le faire. Toxique chair non plus. Alien non plus. C'est compliqué, j'aimerais rester dans le style. Je peux m'asseoir dedans? Est-ce que je peux m'asseoir dedans? Je peux m'asseoir dedans. Je sais pas comment le faire sans rester dans la redondance en fait. Cet desk là il est comment?
Il est pas mal. Ok, tentons quelque chose. Peut-être que plutôt qu'en faire une un comment un cabinet de médecin, je pourrais peut-être en faire une infirmerie plutôt. Hop, là j'ai réussi à les placer plus ou moins correctement. Hop. Est-ce que je peux faire? Alors attends. Non, je peux pas en avoir. Médical. Hop, voilà. Drape. Classique. On va faire le test, c'est pas grave. Oh, si ça passe, c'est magique. Je doute que ça passe, mais ça va être magique. Ah, oh, putain, ça passe. Ah, c'est génial. Drape, deuxième. Hop. Ok. Alors. Avec ceci, il me faudrait une petite lumière. Petite lumière sympathique. Light. Biolampe. Elle ressemble à quoi la lumière de la biolampe? Je me rappelle plus. À rien. Ok, c'est cool. Elle ressemble à rien. Je cherche une petite lumière tamisée en fait. Genre la candle, mais j'ai pas la place de la mettre. Si, j'ai la place de la mettre partout, je suis stupide. Peut-être pas partout, partout, mais. Hop. Pourquoi ça passe pas? Pourquoi ça passe pas? C'est con. Ça devrait passer. Ah la vache. Ça se joue à rien. Ça se joue à rien et ça casse tout. Non! Remarque. Normalement, je devrais pas le faire. Je casse en fait une redondance. C'est catastrophique en fait ce que je fais là. Donc je ne vais pas le faire. Comment je peux résoudre ce problème de lumière? Oh, je sais. Est-ce qu'il me reste un des fameux cabinets? Oui, il m'en reste un. Est-ce qu'il est assez long? Putain, il est trop long. Merde. Un petit cabinet alors, il me faudrait. Cabinet. Cabinet, cabinet, un petit, si possible. Genre ça, en fait. Faudrait genre ça. Merde, je vais pas en trouver. Ça va pas avec le reste. Ça va pas avec le reste. Non plus. Bed. Si je mets bed, je vais tomber sur des beds et pas sur des trucs que je mettrai à côté du lit. Ah putain. Non, non.
small. Rect panel, rect table. Si on peut trouver la small table qui soit pareil, ça pourrait être cool. Ah, si elle est vraiment petite. Ah, attendez, si elles sont vraiment petites, on peut peut-être trouver ce qu'il faut. Pff, small, mais t'es sûr d'appeler ça small? Ça c'est small, non c'est pas small non plus. Small bone table, c'est un peu... Ça serait un peu vilain de les mettre là, si c'est une infirmerie. Vous allez tous crever. C'est ça que c'est en train de dire en fait. Small pillar. J'ai pas envie que ce soit un pilier simple. Mais je pense qu'on va se... Wooden. Peut-être se diriger vers un petit truc comme ça en fait. Hein. C'est vraiment triste. Alors, c'était pas non plus ça. C'est un stand, je crois que ça s'appelle. Merde. Stand. Wooden stand. J'aimerais pouvoir le trouver là-dessus. On va bien voir hein, ce que ça va donner. Ouais, on part là-dessus. Allez, hop. On part là-dessus. En espérant qu'elle tienne dessus. J'ai pas vérifié, mais je pense que oui. Hop. Et ce que je vais faire, c'est que je vais décaler le tout. C'est pas grave. Hop. De une case. Juste pour qu'ils aient chacun leur intimité s'ils le souhaitent en fait, vous voyez le truc. Enfin, s'il y a besoin entre guillemets, c'est même pas s'ils le souhaitent, c'est s'il y a besoin. Hop, hop. Voilà. On remet ça. Et ensuite, on met les deux petites bougies. Et ça passe, parfait. Parfait, parfait. Bon, c'est pas très joyeux, mais c'est pas fait pour être joyeux non plus. Donc voilà plus ou moins pour ce bâtiment. Donc là on a la salle d'eau. Donc il faudrait que je trouve par exemple le shower ou un truc comme ça. Bah non, ça va pas être d'eau. Water. Alors attends. Non bah non, tant pis. Là j'avais envie de mettre un autre truc. Le problème c'est que je vais être short en place. Tant pis, on va resserrer un petit peu. Hop, mince, pas là-dedans. Voilà. Mince, hop, safe. J'avais dit que je mettrais un coffre quelque part. Je vais le mettre. Bla, il passe pas, fais chier. Tant pis, je récupère ça. Je voulais mettre un coffre, je le mets. Hop. Avec un peu de chance même. Ah, avec un peu de chance ça passe. Et du coup, ce que je peux faire, c'est retirer ce truc-là, qui va pas avec les bonnes couleurs. Ensuite, y mettre ce bureau, que je vais replacer au bon endroit. Toujours la même chaise, pourquoi pas. Et y placer par contre cette lampe. La placer, blah, la placer correctement et rien casser, ça aurait été cool. J'en chie. J'en chie. Il est où le bureau? Il est là. Cette lampe, elle est bonne. Voilà, c'est bon. Juste pour voir, elle est activable. Ok, c'est cool. Bah non, mais limite ça du coup. Je peux le mettre là. Hop. Parfait. Parfait, on est bon, chers amis. Bon, ben voilà encore un autre bâtiment de fées. Je pense qu'on habillera dans le prochain épisode un petit peu cet endroit-là. Il y aura peut-être par exemple une plante, un cactus. Tiens, le cactus, le fameux cactus, tiens.
On va le faire tout de suite. Hop. C'est tout con, chers amis, mais ça habille. Ça fait moins vide. Hop, juste pour voir un truc. Je suis sûr qu'en plaçant, si je veux, je place par exemple. Hop. Des blocs miroirs ici et ça passe très très bien. Hop. Voilà. C'est parfait tout ça. Bon. Bon bah écoutez les amis, on n'aura plus qu'à finir ce petit endroit là, je sais pas encore trop ce que je vais y mettre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la pouce vériser, à la commenter, à la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, dont vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo décoration, c'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures, salut les gens.